Jérôme Sainte-Marie, je vous ai vu beaucoup réagir tout à l'heure pendant la prise de parole. Oui, parce qu'on mélange tout. Non, je voudrais simplement réagir sur mon propre terrain, c'est-à-dire m'intéresser à l'histoire, avant toute chose, à l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Quand, autant je trouve, comme l'a dit M. Mignard, extrêmement important que les militants, je parle bien des militants communistes, pas forcément du Parti communiste, des militants communistes qui ont payé, il suffit de regarder, c'est aux éditions d'Atelier, il y a un dictionnaire biographique des fusillés après jugement, c'est 4 ou 5 000, alors, il y a eu beaucoup plus de fusillés dans la campagne, tout cela, mais après jugement, c'est 4 ou 5 000 fusillés, quand vous le feuilletez, ce que je faisais encore hier soir, vous tombez sans cesse sur des cégétistes, sur des FTP, sur des communistes, etc. Mais là, c'est les militants. Ce qui n'empêche que parmi, effectivement, les réticences à faire rentrer des militants communistes au Panthéon, il y a eu quand même cette année terrible, entre 39, un peu plus d'années. C'est-à-dire que quand, jusqu'au 21 juin 41, jusqu'à l'invasion de l'URSS par l'Allemagne, qui est ressentie très souvent, tous les témoignages concordent, par beaucoup de militants communistes, comme une forme de soulagement idéologique, ils vont enfin retrouver. Mais il y a eu quand même cette période, si vous voulez, où quand la France est envahie, elle est envahie par un allié de l'URSS. Et pour parler, puisque nous sommes dans une émission culturelle, pour de deux grands intellectuels, par exemple Julien Gracq, notre prix Nobel de littérature, et Paul Nizan, qui est porte-parole du Parti communiste, démissionne instantanément. Et d'ailleurs, Julien Gracq sera tellement écœuré qu'il ne se réengagera jamais en politique, et Paul Nizan, malheureusement, sera tué pendant la débâcle. Bref, vous avez quand même, quand on parle de cette histoire, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a effectivement eu ce traumatisme, un pays envahi, avec l'attentisme, on va dire ça à minima, du Parti communiste en tant que structure liée à Moscou. Encore une fois, ça n'enlève rien au sacrifice du peuple communiste. Mais enfin, ça explique quand même quelques réticences. Mais justement, Jérôme Sainte-Marie, j'étais intéressé par ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on parle de résistants communistes. Il y a un livre qui me vient à l'esprit, qui est un très bon livre de Jean Cassou, qui était communiste, conservateur, résistant, qui avait d'ailleurs quitté le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique, avant de le réintégrer ensuite, qui avait écrit un livre, La mémoire courte, effectivement, en 1952, à un moment où en France, on rejoue le débat de la collaboration et de l'épuration. Certains trouvent qu'on a été trop dur avec ceux qui avaient collaboré, et Cassou tient à rappeler dans un livre que, voilà exactement, c'est la couverture, tient à rappeler que la résistance, c'est pas seulement, ou plutôt ça n'est pas du tout un fait politique, justement pour ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'il y avait toute la France. Mmh. Il y avait des stand-off, il y avait Renouvin, un royaliste, il y avait des communistes, il y avait des gens qui n'étaient pas classables d'ailleurs dans ces catégories, mais que c'est un fait, et c'est là où c'est très intéressant, et ça a eu beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de répercussions sur la vie intellectuelle de ce pays, c'est un fait moral. Donc je le répète, ça n'est pas un fait politique, c'est un fait moral. Puisque ça ne peut pas être catégorisé politiquement, c'est donc que ça relève de la morale. Évidemment, la morale, en termes de hiérarchie des valeurs, c'est supérieur à la politique, premièrement, même si c'est lié. Deuxièmement, et là j'arrive au Rassemblement national, est-ce que vous comprenez malgré tout que si le Rassemblement national, dans sa version d'aujourd'hui, avec ses 89 députés, parti républicain de fait, soit accepté et acceptable pendant cette panthéonisation, est-ce que vous comprenez aussi que ça pose une question? Parce qu'il y a une certitude, c'est que personne ne vit sans passé. Et on sait aussi quelles sont les origines de ce parti, et personne ne peut se présenter uniquement dans le présent. Peut-être qu'on aurait pu imaginer que tout en voulant assister à cette panthéonisation, Marine Le Pen fasse un point mémoriel sur la question de la création du Front National. Ça vous paraît logique? Vous comprenez quand même l'atermoiement que ça peut provoquer? Vous ne pensez pas que ce serait une bonne idée au Rassemblement National de faire un point historique? J'ai bien compris qu'une partie de ma famille, une partie seulement, avait une certaine sensibilité. Oui, bien sûr. Et donc, je pourrais mieux le comprendre. Mais non, c'est absurde. C'est absurde, parce que si vous prenez toutes les forces politiques, et de ce point de vue-là, je suis très déçu par l'attitude du Parti communiste, permettez-moi de vous le dire, parce que, bon, déjà que vous ayez ouvert vos pages à Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui ne vous grandit pas, mais par rapport à vos propres valeurs... Vous êtes un rédacteur de l'humanité, attention. Hein. Mais par ailleurs, vous êtes bien indulgent par rapport aux autres forces politiques, parce que si on prend l'histoire des forces politiques et ce qu'elles ont soutenu, ça paraît incroyable. Je vais donner un seul exemple. Le Front National, qui effectivement est fondé par des gens ayant un... Pour certains, oui, bien sûr, il y a quand même Georges Bidault, qui est parmi les fondateurs, qui a succédé à Jean Moulin à la tête Bidot du CNR. Mais qu'il y a eu... Mais on parle de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais après, on a une photo des fondateurs du Front National. On voit ici. Non, pas du tout. Alors, ne ramenez pas tout à cette image. Ça n'a une photo. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous laisser continuer. Je vous laisse continuer parce que nos téléspectateurs viennent de voir cette image. On voit une photo prise en 1972 à la naissance du Front National. Jean-Marie Le Pen entouré de quatre des fondateurs. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot aussi sur qui sont ces personnages. Cette photo est prise en 1972, il y a donc plus de 50 ans.
Il y a effectivement là-dedans des gens qui n'ont pas traversé la Seconde Guerre mondiale, comment dirais-je, à leur honneur. On va dire ça comme ça. Mais je dois souligner que juste avant, en 1965, laissez-moi finir s'il vous plaît, en 1965 et juste après, en 1974, lors des deux élections présidentielles, le Parti communiste choisit de ne pas être candidat au premier tour, de ne pas avoir de candidat au premier tour, pour aussitôt soutenir François Mitterrand, dont chacun sait et dont chacun savait à l'époque, dans les milieux informés, qu'il avait reçu la francisque. Mais à qui on a demandé des comptes aussi, très tardivement. Mais beaucoup aussi. Plus tard. Il a été résistant quand même, vous ne l'avez pas oublié ça. Parce qu'il y a eu des résistants qui ont reçu la francisque effectivement sont devenus de grands résistants. L'histoire, c'est complexe, monsieur. Oui, mais enfin, René Bousquet... Laissez répondre, Léon Desfontaines, qu'il a été résistant. Ne le réduisez pas à sa francisque, s'il vous plaît, parce que ça serait attenter à l'honneur de la vérité de l'histoire. Absolument, et je ne le réduirai pas davantage à son amitié durable et prolongée avec monsieur Bousquet. Léon Desfontaines, je vous laisse répondre, parce que votre parti... Je ne suis pas beaucoup intervenu jusqu'alors, mais je suis particulièrement mal à l'aise par la manière dont le débat se tourne. On est en train de parler de la panthéonisation d'un résistant étranger et communiste, et depuis le début du débat, on est en train de faire la leçon de l'histoire du Parti communiste français, comme quoi il n'aurait pas été assez si passé cela. Écoutez, la panthéonisation, c'est de M. Missak et de Mme Méliné Manouchian, c'est la reconnaissance de l'engagement du Parti communiste français dans la résistance, que vous le vouliez ou non. Et oui, aujourd'hui, de par son histoire et de par son projet politique actuel, le Rassemblement national n'a pas sa place à la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, parce que son histoire, il y a eu des créateurs parmi les créateurs du Front National, il y en a qui ont pourchassé les FTP-MOI, dont Missak et Méliné Manouchian, et dont ceux qui ont tenu les fusils à l'encontre de Missak Manouchian. Et deuxième sujet par rapport à son projet politique actuel, parce que la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, c'est aussi la vision qu'on a de la nation française. Et ce n'est pas une vision ethniciste de la nation française, contrairement au projet qui est actuellement porté par le Rassemblement national. Lorsqu'on remet en cause le droit du sol, eh bien pour vous, vous n'aurez jamais accepté que Missak et Méliné Manouchian soient des Français. Pas et c'est tout. Ça la réalité. Et c'est pour cela que vous n'avez pas votre place. Et la venue de Marine Le Pen à cette panthéonisation est un crachat à la figure des résistants de la France. Et je vous le dis, vous pouvez rire, monsieur. Mais non, parce que... Mais un peu de décence. Tout ce qui est et je veux dire, il y a eu un peu de décence. Il y a eu la jurisprudence quand même Badinter, où la famille de Badinter, notamment son épouse, a demandé à ce que vous ne veniez pas. Eh bien aujourd'hui, on a les enfants, les petits-enfants, la famille de Missak et Méliné Manouchian, des 23 FTP, qui demandent à ce que Marine Le Pen ne vienne pas. Eh bien la décence aurait été de s'abstenir et de ne pas venir, et surtout, je tiens à le souligner, de ne pas faire une polémique et de ne pas faire le procès du Parti communiste français à l'heure où il fait son entrée au Panthéon. – Alors je voudrais tous entendre sur cette question Jean-Pierre Mignard et Pascal Blanc. – Déjà sur le passé, pourquoi c'est important, c'est que s'il n'y a pas eu de communistes au Panthéon, c'est la guerre froide tout de suite. C'est-à-dire que les communistes deviennent les ennemis, les adversaires. C'est ça qui se passe, c'est ça le drame français. Et même d'ailleurs des gens qui appartenaient à des mouvements de résistance communs, c'est ça, immédiatement, la guerre froide s'installe. On est à l'Est, on est pour l'URSS ou on est pour la France. Et quand on est pour la France, on ne peut pas être un ami de l'URSS. Et c'est cet ostracisme, vous vous rendez compte, il faut tellement d'années pour qu'il soit levé, et ça, vous avez eu tout à fait raison de le dire. Le choix est évidemment bon parce que ce sont des personnages exemplaires. Ils ne sont pas les seuls. Tout ce groupe a été exceptionnel de courage. Vraiment, à eux seuls, c'était une armée. Alors, je comprends que les Allemands voulaient les abattre. Donc, on a choisi des hommes et des femmes, un homme et une femme. Des héros. En chair, en os. On peut dire, oui. Au sens grec, on peut dire des héros. C'est la première chose. La deuxième chose, sur la présence aux hommes. Moi, je pense qu'on est rentré dans un très mauvais cycle sur cette question des présences. Lorsque c'est un hommage national, c'est le président de la République qui invite. Alors, soit il invite, et il dit que tous ceux qui l'invitent ont la place chez lui, c'est comme lorsqu'on invite chez soi. Lorsque l'on invite chez soi, tous ceux qui sont invités chez soi ont leur place chez soi. Et il fait le ménage, c'est lui qui dit « j'invite ou je n'invite pas ». Et dans cette hypothèse, dans ces cas-là, s'il pensait que ce n'était pas bien... Il ne fallait pas inviter. Je ne suis pas d'accord avec la jurisprudence. J'ai beaucoup aimé Robert Badinter. J'ai travaillé aussi avec lui. J'ai défendu toujours. Mais je pense que ce n'est pas plus à une famille qu'à un parti politique à quiconque de faire le choix. Un hommage national, ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas aux familles. Ce n'est pas à des mouvements quelconques. Ensuite, il y a la question de la décence. En effet, pour effectivement Marine Le Pen, c'eût été, vous avez raison, c'eût été très intéressant si elle avait
sur ce point, peut-être dit ce qu'il en était. Ce qu'il en était de cette fondation, de ce qu'il en était de ces gens qui avaient été à l'origine du Front National, qui s'est ensuite recyclé dans les luttes coloniales pour le pire, bien souvent. C'était à elle, peut-être, de saisir l'occasion et de dire, voilà pourquoi je romps avec cette histoire. Et voilà le sens que je donne. Mais nous n'avons pas entendu ça. Il n'y a rien. Il y a simplement la volonté d'une présence qui vise à affirmer une respectabilité pour les échéances électorales futures. Nous sommes dans l'arc dont on ne sait plus très bien ce qu'est cet arc, il se tend, il se distend, on ne sait plus très bien qui y appartient, mais je suis là, et ça, excusez-moi, ça ne lui apportera rien, alors qu'elle avait peut-être l'occasion de rompre. Et sur ce point, alors, dans ces conditions, les communistes, je comprends leur réserve, parce qu'il n'y a rien qui justifie aujourd'hui, plus qu'hier, de l'accepter, alors qu'elle l'aurait pu. Pascal Blanchard. Je signale quand même qu'il y a 2 ans, rappelez-vous, et 3 ans,